Bonjour, aujourd'hui donc, on va voir une autre astuce toujours sur dans les validations. Donc, voilà par exemple un champ. Je vais donc interdire ici l'écriture lorsque la cellule, par exemple E1, contient non. OK? Donc, je sélectionne données, validation, personnaliser, égal. Si E1 différent de non. Point virgule, j'écris vrai. Et je ferme parenthèse. Voilà. Donc, lorsque j'écris ici, ce n'est pas un problème parce qu'ici, il n'y a pas non. Mais lorsque j'écris ici non, donc lorsque j'écris ici, il n'y a pas. Données, validation, E1 avec, je sélectionne E1 et je clique sur F4 pour sélectionner E1 spécialement. Lorsque je clique, il y a interdiction. Voilà. Lorsque ici je supprime, je peux écrire ici comme je veux. Par exemple, lorsqu'il y a non, répéter, il y a interdiction. OK? Autre chose, lorsque je veux écrire ici, mais sans répétition, les données, validation, égale, nombre, mb.si, j'ouvre parenthèse, attendez, mb.si, j'ouvre parenthèse, je sélectionne, point virgule, et, je sélectionne, E7, la cellule active, voilà la cellule active ici, E7, c'est-à-dire nombre ici de E7, égale à 1. C'est-à-dire lorsqu'il est égal à 1, si c'est un problème, lorsqu'il est différent de 1, il y a un problème. OK, je clique. Donc lorsque j'écris par exemple ici Maroc, c'est pas un problème. France, c'est pas un problème. Lorsque je veux réécrire Maroc, toujours il faut ici sélectionner et mettre F4, OK, pour sélectionner, pour figer. Voilà, parce que je veux réécrire ici Maroc, il y a l'interdiction. Voilà, lorsque je vais par exemple écrire France, il y a l'interdiction. OK, autre chose, lorsque je veux, c'est-à-dire ici, obligé à ne pas dépasser 5 caractères, égal np, car nombre de caractères, de E7, égal à 5, bien inférieur égal à 5. Ici, sans figer, il ne faut pas figer ici, parce que c'est sur toute la zone. OK, lorsque j'écris par exemple, parfois c'est pas grave, lorsqu'il dépasse, il y a interdiction. OK, il y a interdiction. OK, à la prochaine donc pour ces astuces. OK.